matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 30 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte Nouveau Regard. Encore une fois, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, n'est-ce pas? Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui résonne avec vous. Question. Si vous pouviez porter un nouveau regard sur un aspect de votre vie, auriez-vous envie, eh bien, peut-être d'enrichir une relation, de changer de direction professionnelle, de changer d'endroit, de ville, changer de pays, changer de maison, d'appartement, ou prendre soin de votre santé. Vous savez, l'esprit pensant aime réfléchir, il aime analyser, critiquer, se remémorer le passé et se projeter dans l'avenir. Or, eh bien, le temps présent est le seul qui existe. C'est ce que vous faites aujourd'hui et maintenant. Puisque le passé n'existe plus, il est passé. Vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Et l'avenir, bien, l'avenir n'est pas encore présent. Donc, que faisons-nous? Nous vivons le moment présent, l'instant présent, le ici et maintenant. Alors, pourquoi stresser en pensant à un avenir qui n'est pas encore présent? Pourquoi ruminer? Se faire du mal, ruminer un événement du passé et baisser votre énergie inutilement? Il est passé cet événement. L'esprit pensant transforme, eh bien, des faits passés en croyances, pour la plupart, eh bien, négatives. Je ne suis pas à la hauteur, par exemple. Je ne mérite pas d'être aimé. Ou encore, je vais encore échouer. Voyez tout ce qui est négatif en vous, tout ce que vous pensez négativement. Et ben vous vous projetez dans un avenir incertain avec des croyances négatives venues du passé. Tout ça, c'est votre passé qui fait que vous pensez comme cela. Ce manque d'estime en vous, ce manque de confiance en vous. Alors, revenez dans l'instant présent et changez votre regard sur votre vie en prenant du recul sur vos croyances négatives, sur vos croyances limitantes, inutiles pour votre évolution spirituelle et la création de votre avenir. Alors, pensez à une relation actuelle ou même à un événement et notez vos croyances négatives associées avec cette relation ou cet événement. Et puis, répétez ensuite, eh bien, je peux penser différemment. Je peux penser différemment. Et votre mantra d'aujourd'hui sera
je peux changer ma vision et avoir confiance en la vie. Je peux changer ma vision et avoir confiance en la vie. Je peux changer ma vision et avoir confiance en la vie. Quel beau message, n'est-ce pas? Je termine avec le petit oracle des amoureux et aujourd'hui, voilà, transformation. Eh bien, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà le petit message de l'oracle des amoureux. Je vous souhaite une très jolie journée et puis on se retrouve eh bien demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.